Dans sa chronique Société, Charles Kendrebego s'intéresse ce soir à la chaleur, cette canicule qui entraîne des insomnies et des désagréments de tout genre. Ça n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. La canicule est là et comme chaque année, ces insomnies se concentrent généralement à cette période. Il a un bureau climatisé, mais ça s'arrête là. Le même confort n'a pas suivi à la maison, si bien qu'il lui est venu à l'esprit de dormir dans la journée au bureau et de veiller comme un vigile, disons-le, un bon vigile dans la nuit. Je dis cela parce qu'il est arrivé à ces veilleurs de nuit qui courtisent les faveurs de l'employeur d'oublier tout simplement et de raconter leurs rêves à leur patron. « Patron, j'ai rêvé la nuit dernière que, avant de se raviser, pour donner la paternité de ce fameux rêve à un ami. Un ami a rêvé que vous êtes nommé en conseil de ministre. Même si l'histoire n'a pas plu au patron, la plupart du temps, il joue le jeu. Il plonge généralement la main dans la poche, en retire un petit billet au bonheur de cet ange gardien qui il sait désormais dormeur et même rêveur dans la nuit profonde, alors qu'en réalité, il le paie pour veiller sur lui et sa famille pendant qu'il dorment. Moussa n'est pas vigile, mais lui aussi ne ferme pas l'œil de toute la nuit en ces temps de chaleur accablante. Il a essayé toutes les techniques de Morphée pour s'assoupir, mais comparativement à l'eau du robinet à ces temps qui sont les derniers, le sommeil vient à compte-gouttes. Pour s'endormir, il prend une douche rapide avant de rejoindre le lit, histoire de tromper la chaleur. Il est tiré de ce refuge dans une sueur abondante pour zapper de façon interminable sur les chaînes de télé, en attendant que la nuit avance et qu'au petit matin, la brise matinale le sauve de cette situation. Cependant, ceux qui ne regrettent pas du tout cet état de fait, ce sont les autres membres de la famille. Papa ne dort plus et la musique nocturne a cessé pour un bout de temps. Tellement de l'orchestre, il en a fait de toutes les sonorités quand il dort les poings fermés.